Bonjour à toutes et à tous, c'est un immense plaisir de vous retrouver dans cette grande édition de la mi-journée, les titres. Commémoration par les fidèles kimbanguistes du monde entier ce mardi 12 septembre 2023 de la naissance de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme. Pour ce faire, un culte spécial est organisé à la cité sainte de Kamba. Pour la circonstance, hier, son éminence Simon Kimbangu Tiangani a échangé avec le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi à Kinshasa, où il a annoncé la construction des mémorials à l'honneur de Simon Kimbangu. Rencontre à suivre au tout début de ce journal. Nous irons de la province de la Tshopo où sont construites des bornes fontaines depuis quelques jours à satisfaction totale de la population de Mangabo et Segama. Et puis l'église du Christ Congo a fait don d'une ambulance médicalisée à un centre hospitalier. Question de permettre à cette formation sanitaire d'assurer la prise en charge des urgences médicales de manière efficace. Voilà pour le sommaire, bienvenue au 13h30. C'est aujourd'hui que l'église Kimbangu célèbre le 136e anniversaire de la naissance de Simon Kimbangu, fondateur du kimbanguisme à travers le monde. Hier, l'actuel chef spirituel de cette église a été reçu en audience par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Simon Kimbangu a annoncé la construction d'un mémorial en l'honneur de 27 000 familles péries aux côtés de ce nationaliste congolais dans la lutte contre pour l'émancipation du peuple congolais du jeu colonel belge. Il a aussi remercié le garant de la nation pour l'effectivité des travaux de réhabilitation de la route qui mène vers Kamba, dite chemin de la passion. Plus de détails avec Patrick Michel Mukui. C'est une page de l'histoire africaine qui s'ouvrait le 12 septembre 1887, alors que venait au monde celui qui deviendra plus tard l'un des prophètes les plus connus d'Afrique, Simon Kimbangu. Le 12 septembre, c'est aussi la date de son arrestation, avant de passer à la case prison qui va précéder sa mort. Respectueux de l'autorité de l'État, comme il l'a lui-même exprimé, son éminence Simon Kimbangu Kiangani est venu au nom de toute la communauté kimbanguiste informer le chef de l'État des activités prévues pour cette commémoration. La particularité de celle-ci, c'est la construction d'un mémorial en souvenir aux 37 000 familles qui ont souffert avec le prophète et de 150 000 victimes qui ont péri à ses côtés. Le chef spirituel de l'église kimbanguiste a saisi l'opportunité de cet échange pour remercier le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, pour l'inauguration du musée construit sur les sites d'Nkamba. Le chef de l'État a aussi sollicité et obtenu des réponses du chef spirituel sur les travaux de réhabilitation de la route qui mène vers la Terre Sainte de Kimbanguiste. Une réhabilitation qui permettra aux fidèles et visiteurs d'atteindre facilement ce lieu historique qui renseigne de la richesse spirituelle et touristique de la République démocratique du Congo. Du côté de la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samal Kondé a lancé hier les travaux de la commission paritaire gouvernement intersyndical national de l'administration publique. Question de favoriser le dialogue social permanent tel que voulu par le chef de l'État. La cérémonie s'est déroulée à l'hôtel Sultani de la commune de la Gombe. Patti Tondouangou pour plus de précisions. Organisé par le ministère de la fonction publique sous le haut patronage du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ces assises de 5 jours, ouvertes par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé, visent la modernisation de l'administration publique. Il sera donc question d'évaluer les différents protocoles d'accord signés entre parties de 2015 à 2021 pour le maintien de l'harmonie et de la cohésion sociale au niveau national. Le chef du gouvernement a rassuré l'intersyndical de rester attentif aux différentes délibérations des sous-commissions. Jean-Michel Samalou Kondé Kiengé reste confiant quant à la lumière qui va jaillir de ces consensus. Je me réjouis pour cela que la culture syndicale dans notre pays ait atteint le seuil de maturité qui permet de maintenir les revendications sociales dans les limites. Cadre budgétaire. Il n'en demeure pas moins vrai que cet environnement, cette IG doit être mise à contribution par le banc syndical pour traduire du mieux possible, sans complaisance aucune,
les desiderata des agents de carrière des services publics de l'État. Car le gouvernement que je dirige, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ne tire sa raison d'être que dans la satisfaction optimale des besoins du souverain primaire, avec espoir de voir la lumière du consensus jaillir du choc des idées. Et ici, je voudrais mentionner effectivement tout l'intérêt que le gouvernement porte à son administration publique. Sans l'administration et sans vous, il serait difficile et même utopique de rêver d'un Congo grand et prospère. Vous êtes le socle sur lequel nous nous appuyons pour construire notre beau et grand pays. Cette commission paritaire gouvernement banque syndicale dans toute sa diversité pour un dialogue social permanent est l'une des recommandations du chef de l'État à tous les détenteurs de l'autorité de l'État, a martelé le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, Jean-Pierre Liao. Malgré quelques inquiétudes exprimées, le président de l'intersyndicale de l'administration publique a reconnu l'engagement du président de la République dans la marche vers la rénovation et la redynamisation dans la gestion de l'appareil de l'État et dans l'amélioration progressive des conditions de vie et de travail au sein de l'administration publique. La détention du journaliste congolais Stanislas Boujakira Tshamala dans les locaux du commissariat provincial de la police de Kinshasa, c'est de cette question qu'une rencontre a eu lieu hier entre le ministre de la Communication et Média avec une délégation de la Corporation des journalistes congolais. Propos recueillis par Gaëtan Magalan. La corporation est mobilisée par rapport au cas malheureux qui est arrivé à notre confrère Stanislas Boujakira. Donc nous sommes d'abord venus dire au ministre de la Communication et des Médias notre peine de voir un de nos confrères privé de sa liberté pendant plus de 40 heures. Nous sommes venus dire au ministre que cette situation nous afflige énormément et qu'il fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que notre confrère Stanislas Boujakira puisse recouvrer sa liberté d'aller et de venir. En tout cas, nous avons trouvé une oreille attentif du ministre qui a dit qu'il fera le suivi de ce dossier, mais en tenant compte justement du principe de la séparation du pouvoir. Mais il a été très très attentif aux préoccupations de toutes les organisations professionnelles de la presse qui sont réunies ici et qui font bloc pour que Stanislas Boujakira recouvre dans le plus bref délai sa liberté d'aller et de venir qui lui a été privée voici 72 heures. Notre principale demande ici, c'est d'abord que Stanislas puisse comparaître en homme libre. Donc s'il y a des charges qui pèse encore contre lui, il peut se défendre en homme libre. Donc c'est la principale demande que nous avons faite aujourd'hui lors de cette audience que le ministre nous a accordée. Donc pour nous, nous avons réaffirmé devant le ministre que la liberté de la presse est un droit constitutionnel et que ce droit doit être préservé. La gestion du contentieux électoral au cœur d'un atelier d'harmonisation entre la CENI, les cours d'appel et les tribunaux, travaux lancés par le rapporteur adjoint de la centrale électorale, Paul Moïndo Moulembéry, en mission officielle dans le Kassai oriental. J'y reste au fond de Tchumbi. Cette mission s'étale sur une dizaine de jours que conduit le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante. Paul Moïndo Moulembéry poursuit deux objectifs visant à harmoniser les vues entre l'organe de gestion des élections et les juridictions habilitées de connaître les contentieux relatifs aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux. Aussitôt arrivé dans la voûte de Mbujimayi dimanche 10 septembre 2023, le membre du bureau de la CENI a tenu une réunion technique au secrétariat exécutif provincial. Celle-ci a consisté à faire le point sur l'évolution du traitement des dossiers des candidatures et les préparatifs de la passation du test pratique sur ordinateur pour le personnel opérationnel temporaire devant travailler aux élections du 20 décembre 2023.
Le lundi 11 septembre 2023, Paul Mouy-Demboulé-Méry s'est rendu au gouvernorat de la province pour présenter des civilités à l'autorité provinciale. Leurs échanges ont porté sur l'accompagnement de la province, notamment en ce qui concerne la sécurisation de l'atelier d'harmonisation entre la centrale électorale, la cour d'appel et le tribunal de grande instance pour la gestion du contentieux issu du dépôt des candidatures aux élections des députés provinciaux et conseillers communaux, ainsi que le lancement du test pratique sur ordinateur pour le recrutement des différentes catégories du personnel. Ouverture atelier ce lundi à Kinshasa, d'un atelier national de lancement et de validation du registre des sociétés coopératives en République démocratique du Congo. C'est la ministre de l'Agriculture qui a ouvert les travaux au nom du ministre d'État chargé au développement rural en mission, Jean-Pierre Ndolo-Demazou. Cet atelier a comme objectif global la validation du registre d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC, ce en vue de son opérationnalisation dans les jours à venir. Les objectifs spécifiques sont quant à eux le paramétrage du Service national des coopératives et organisations paysannes pour aboutir à la création d'un guichet unique d'immatriculation des sociétés coopératives en RDC. Le ministre José Panda de l'Agriculture, qui a représenté son collègue, le ministre d'État en charge du développement rural, circonscrit cette manifestation. Ces travaux restent bénéfiques non seulement pour la population paysanne, mais également pour les gouvernants que nous sommes, pour qu'on arrive à mettre ensemble des synergies et arriver à soutenir la population paysanne qui y reste et de 70% de toute la population congolaise ensemble. Cet atelier est financé par l'Agence de coopération internationale de l'Association des communes néerlandaises qui veut soutenir l'action des petits producteurs regroupés en coopérative. Le directeur de programme de l'Agence néerlandaise, Moussaliwa Lochi, le confirme. Nous implémentons un programme qui appuie les sociétés coopératives beaucoup plus dans le secteur de l'agriculture. Le but maintenant de cet atelier est que d'amener le gouvernement congolais à s'aligner dans les prescrits de l'acte uniforme OADA relatif aux sociétés coopératives, de manière à leur conférer un statut juridique propre aux sociétés coopératives. Ce soutien aux petits producteurs concerne non seulement le secteur de l'agriculture, mais aussi l'ensemble de l'économie congolaise. Enjeux électoraux de l'heure oblige, le secrétaire général de l'UDPS, Augustin Kabuya, mobilise la base de Kisinso pour le soutien aux actions du chef de l'État Alain Dikaï. La mobilisation était totale le dimanche 10 août dernier dans la commune de Kinshasa. Sous l'initiative de Kajos Mafolo et Nixon Lukusa, les cadres et militants de l'IDPS étaient au rendez-vous pour accueillir le numéro 1 du parti présidentiel. À l'entrée de cette commune, Augustin Kabuya a été obligé de faire une longue procession pour communier avec la base de son parti. C'est à Liti Kitomessa qu'Augustin Kabuya a échangé avec l'assistance sur les enjeux politiques de l'heure. Dans son mot, les gestionnaires au quotidien du parti, cher à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a demandé à la base de son parti de se mettre en ordre de bataille pour la compétition électorale de décembre prochain. Pour lui, Félix Tshisekedi a un bilan largement positif à présenter à la population congolaise au moment de la campagne électorale. Pour ce faire, la base du parti doit travailler pour sa réélection, surtout lui doter une majorité parlementaire. Séance tenante, les notables et militants de l'IDPS ont pris l'engagement de soutenir Augustin Kabuya aux élections générales de ce 20 décembre 2023 pour qu'il soit le porte-parole de Kinshasa auprès des institutions de la République. C'était aussi l'occasion pour celui qu'on appelle AK-47 pour son franc-parler de fixer l'opinion sur les allégations du secrétaire général de la CENCO. Pour Augustin Kabuya, son parti ni les régimes en place n'ont pas de problèmes particuliers avec l'Église catholique. À la question des persistants phénomènes Kuluna dans cette commune, Augustin Kabuya a insisté sur la responsabilité de la population. Quand vous ne dénoncez pas ces inciviques qui sont dans vos milieux respectifs, donc vous contribuez à votre insécurité. C'est sur une note de satisfaction que le secrétaire général de l'IDPS s'est séparé avec ses interlocuteurs qui l'ont accompagné jusqu'au boulevard Lumumba. Question de manifester leur soutien d'effectif au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi.
Plusieurs priorités pour le développement de Kondé-Tchoumbé et ses environs sont bien. Dans le Saint-Kourou, le maire Mendo Malanga a mis à profit ses vacances parlementaires pour en discuter avec les forces vives de ce coin du pays. On en parle avec Cédric Kenila. Un agenda plus que chargé pour les députés nationaux, Lambert Mendo Malanga, dans son fief naturel de Lodja et ses environs, dans la province du Saint-Kourou. Le président national de la Convention des Congolais Unis et vice-président et porte-parole du regroupement AE a développé plusieurs activités sur place dans le cadre de ses vacances parlementaires. Le meilleur élu de Saint-Kourou en 2018 s'est entretenu avec différentes délégations, notamment la société civile, les syndicats, les associations de jeunes, les responsables des services publics et privés, ainsi que le membre de la Fédération des entreprises du Congo, province de Saint-Kourou. Des exercices effectués avant d'entamer une tournée dans quelques secteurs, notamment ceux de Nambelo, Luhimba, Kondo-Tchoumbé et Olemba. Des villages en village, il a été accueilli comme un roi. Et je suis heureux de constater que nous respirons le même air avec eux, que nous avons la même détermination pour prioriser le développement et que le soutien de ce secteur à la politique que j'ai menée pendant les 5 ans que j'ai représenté notre circonscription à l'Assemblée nationale reste acquis. Connu pour ses actions sociales, il a procédé notamment à la remise des décortiqueuses, des riz, des tôles pour des écoles et centres de santé, ainsi que d'autres matériels pour l'entretien des routes et travaux agricoles. Dans chaque étape, un seul message appelait la population à se prendre pleinement en charge par des initiatives locales pour le développement de leur entité administrative. Étape ultime qu'il a conduit dans plus ou moins 11 groupements du secteur de Kondo-Tchoumbé, où il a lancé un seul message, le soutien aux actions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Pour la toute première fois de son histoire, la province du Haut-Uele sera dotée de son plan de développement. La cérémonie du lancement des travaux de son élaboration a été présidée par le vice-gouverneur de province. Le point avec Jacques Kabawa, Nathalie Kabila. C'est sur demande du gouverneur de la province du Haut-Uele, Christophe Bassiani Nanga, que le vice-gouverneur Christian Pitanga Mangandro a lancé en la salle polyvalente de la résidence du gouverneur les travaux de l'atelier sur l'élaboration du plan de développement provincial. Nous aurons tous fait œuvre utile à contribuer à l'amélioration des conditions de vie de notre population, l'accessibilité aux services publics de qualité et la création des richesses à travers notre participation active. 30 jours, c'est la durée de cet atelier pour un plan qui va couvrir la période allant de 2024 à 2028. Le ministre provincial du plan, Patrick Bakétanine, qui le supervise, indique leur finalité. C'est ici le lieu de saluer les efforts inlassables du gouvernement provincial, conduit de main de maître par son excellence, monsieur le gouverneur de province, l'honorable Christophe Bassiani Nanga, qui fait du Haut-Uele ce jour un vaste chantier des infrastructures et édifices publics. Les travaux qui s'ouvrent ces jours auront l'avantage, entre autres, de renforcer les capacités des principaux acteurs sur la planification, de renforcer le leadership des autorités provinciales dans le développement de leurs entités respectives et de doter la province du Haut-Uele de son tout premier plan de développement assorti d'un plan d'action prioritaire. Participent à cette cérémonie les membres du gouvernement et de l'Assemblée provinciale, des experts du ministère national du plan et ceux du PNUD, les chefs des divisions de l'administration publique, les représentants des confessions religieuses et de la société civile confondue, ainsi que d'autres experts locaux. La moto, de par sa grande maniabilité, reste un moyen privilégié pour atteindre plus facilement l'objectif où qu'il se situe, même à des endroits réputés inaccessibles à l'automobile. Le don des motos aux zones de santé du Kasaï par le vice-gouverneur de cette province entre dans le cadre du programme multisectoriel nutrition et santé, les explications de Franklin et Claire Kalombo. La province du Kasaï fait face à une crise humanitaire due à certaines épidémies qui rongent ses différentes zones de santé. C'est le cas de la rougeole qui a déjà fait plus de 20 906 décès des enfants dont la tranche d'âge varie entre 3 à 8 ans. Dans les soucis d'accompagner les zones de santé à mieux faire, les activités vaccinales et supervision sur terrain, Saru Pathfinder
à travers le programme multisectoriel Nutrition et Santé, a fait un don de 10 motos Yamaha aux zones de santé. Cérémonie présidée par Gaston Collet, vice-gouverneur du Kasaï. Dr Davis Kabongo, project manager du programme multisectoriel Nutrition et Santé, explique les pourquoi de cette dotation. Parce qu'on se rend compte que même les adolescents dans notre province ont des soucis au niveau de leur santé reproductive. Voilà pourquoi ils ont reçu ces 10 motos pour leur permettre d'aller vers les bénéficiaires. Voilà le message que nous pouvons transmettre à la communauté et que le soin et le service de la planification familiale sont faits gratuitement. Très content de ces dons, Docteur Mardoché Mina, médecin chef des zones de DKC, l'un des bénéficiaires s'exprime. Pour nous, c'est un soulagement intense parce que sur terrain, on avait des difficultés de mobilité par rapport aux supervisions et parfois même quand nous sommes invités dans des ateliers. Mais pour le moment, nous sommes vraiment très contents de recevoir ces motos qui vont pouvoir nous permettre à bien réaliser le travail sur terrain. Ce qui saute aux yeux en premier lieu quand on approche de Mangobo Sigama dans la ville de Kisangani, c'est désormais des bornes fontaines, point culminant du village et élément le plus marquant du système d'alimentation en eau qui fonctionne depuis quelques jours. Eli Kaembe, le bienfaiteur, s'est rendu dans ce coin du pays pour une inauguration officielle. Sur leur visage, la joie est palpable. Ces habitants du bloc Kalimasi, quartier Segama, dans la commune Mangobo, cette partie de la ville de Kisangani, qui a longtemps manqué d'eau potable, vient d'être raccordée au réseau de distribution d'eau de la régie des eaux et bénéficie d'une borne fontaine, dont de maître Eli Kayembe Moulaya, natif de la ville de Kisangani. À ce jour de la coupure du ruban symbolique, la délégation de ce digne fils de la Tiopo explique le bien fondé de ce geste et invite la population à l'utiliser à bon escient. Un geste d'humanisme qui va droit au cœur des bénéficiaires. Ainsi, au nom des habitants de ces coins, le chef de quartier Segama remercie maître Eli Kayembe Moulaya, le bienfaiteur. Il a fallu 51 ans pour que nous ayons de l'eau potable. Cette journée reste historique. Effectivement, l'eau, c'est la vie. Déterminé à servir sa population dans la mesure du possible, maître Eli Kayembe Moulaya prend en charge la facture d'eau jusqu'au mois de décembre de l'année en cours. En outre, le gros du travail ayant été réalisé par ces raccordements, les ménages auront désormais la facilité de ramener de l'eau à leurs parcelles respectives. À un taux de chômage élevé des jeunes, la RDC est l'un des nombreux pays confrontés au défi de la création d'emplois pour les jeunes. C'est dans ce sens que la Fondation Charité dans le Seigneur Jésus-Christ veut agir contre le désœuvrement. Elle annonce la construction des centres de formation professionnelle à Limbaïmbou dans les jours à venir. Ibrahim Chako. L'entrepreneuriat et l'auto-prise en charge de jeunes de Limbaïmbou dans la commune de Mongafula sont les objectifs principaux de construction d'un centre de formation professionnelle en coupe et couture, mécanique générale et autres. Nous sommes encore venus une fois de plus rendre visite à nos soeurs. Nous sommes venus encore nous enquérir des informations d'ici. Nous avons trouvé que le quartier est vraiment démuni. Nous voulons installer le centre de formation de coupe et couture esthétique. Auto-école pour le jeune aussi, jeune garçon. Ces projets ont pour but d'accompagner le gouvernement congolais, surtout pour l'encadrement de jeunes désœuvreux, y compris de filles et femmes vulnérables, pour qu'on les apprenne la coupe et couture et mécanique générale, pour qu'après la formation, ces derniers soient capables de se prendre en charge.
Le centre hospitalier d'Ibikissi vient enfin d'avoir son ambulance. La population de Bandalungwa peut enfin pousser un ouf de soulagement. Leur centre de santé a été doté de cette ambulance médicalisée à toute neuve grâce à l'église du Christ au Congo. C'était avant que son président national préside le culte d'ouverture et inaugural de la chapelle de la présidence nationale de l'ECC. Une information développée par Serge Merlimata et Raphaël Nsadi. Avec une capacité d'accueil de plus de 120 personnes assises, la nouvelle chapelle de la présidence nationale de l'église du Christ au Congo est un nouveau lieu de culte au service de la communauté religieuse protestante qui ne cesse de croître lors de sa prédication intitulée « La soif d'habiter dans la maison de l'Éternel » tiré du livre des psaumes de David. Au chapitre 23, le président national et représentant légal de l'église du Christ au Congo a mis l'accent sur la puissance et les bienfaits d'être dans la présence de Dieu. Le révérend Dr André Gédéon Bukundoa Bolikabé a exhorté les fidèles protestants au pardon, à la cohésion et à s'approcher davantage de Dieu afin de recevoir les faveurs divines de Dieu dans leur vie. L'événement a été salué par toute la communauté d'église protestante en République démocratique du Congo. Il s'en est suivi la remise officielle d'une ambulance médicalisée flambant neuve au médecin directeur du centre hospitalier Libikissi de l'église du Christ au Congo située à Bandal Chibangu. Nous bénissons le Seigneur pour cette chapelle et souvent il y a cette difficulté de la mobilité de malades, soit qui doivent venir vers l'hôpital ou quand l'hôpital transfère vers d'autres centres. Voilà pourquoi la présidence nationale a décidé de doter ces centres de ces instruments de travail. L'aide pour la réhabilitation et la situation actuelle de l'Institut de Lingwala était au centre des échanges entre les présidents nationaux et représentants légaux de l'église du Christ au Congo et une délégation des anciens élèves de cet établissement d'enseignement primaire, secondaire et technique. Place à présent à la revue de presse, une sélection de Jean-Pierre Ndolodé Mazou. Bonjour à tous. La province de Maïndombé, sous la menace des miliciens Mobondo, selon la tempête des tropiques, ces derniers sèment la panique à Kwamout. Un climat de panique règne depuis quelques jours à Kwamout, où la société civile locale fait état d'une incursion des miliciens Mobondo au campement Fonda depuis le samedi 9 août 2023. Selon la source relayée par RadioOkapi.net, note le journal, le campement s'est vidé de tous ses habitants suite à cette incursion des miliciens Mobondo. Et dans cette panique, certains habitants se sont échappés par nage dans la rivière et d'autres ont emprunté la voie routière à destination du village Ntomo, situé à environ 5 km de Kwamout. En croire la société civile, le campement Fonda continue à être occupé par ces miliciens qui progressent petit à petit avec l'intention d'occuper tout le territoire de Kwamout. La société civile lance un appel vibrant au gouvernement central, notamment au vice-premier ministre de la Défense et à celui de l'Intérieur à venir sécuriser la population de Kwamout. Au bord de la faillite, Congo Airways interrompt momentanément ses activités, annonce Vraie Thématique. Selon le journal en ligne, la compagnie nationale Congo Airways a annoncé dimanche 10 septembre l'interruption momentanée de ses activités dès lundi 11 septembre sur l'étendue nationale. Cette décision intervient dans un contexte où l'on assiste à une forte demande de trafic aérien en République démocratique du Congo. D'après plusieurs sources, la société créée en 2014 et qui disposait de 4 aéronefs est au bord de la faillite. Pour l'instant, aucun avion n'est en mesure de desservir 80 millions de Congolais. Certains experts estiment que cette situation aurait été évitée si le plan de restriction annoncé depuis 2019 avait été exécuté à la lettre. Note Vraie Thématique. Échec et mat. Voirie urbaine, des trous défient l'opération Zéro Trou à Kinshasa, constate Forum des As. Il est pratiquement impossible de dire aujourd'hui combien de trous il y a exactement sur les routes de Kinshasa, un pari que nul Kinois ne peut relever. Pourtant, note le journal, il y a plusieurs mois, il a été lancé une opération dénommée Kinshasa Zéro Trou. Sur le terrain, c'est le contraire qui est vécu.
C'est un fiasco, pourrait-on dire. Pour s'en rendre compte, il suffit de faire un tour dans la ville, de Maluku à Mitendi, en passant par Massina, Matete, Lemba, Limete et même Gombe et ma compagne, considérés comme des coins huppés de la capitale, on ne peut pas parcourir plus de 100 mètres sans trouver un nid de poule. Dans certains endroits, ce sont des petits trous qui peuvent être comblés sans décaisser beaucoup d'argent, mais c'est comme si les autorités attendent que la situation se détériore complètement pour intervenir afin qu'elles se retrouvent grâce à une facture qu'elles auraient surévaluée. RDC, le journaliste Stanny Boujakera, placé sous mandat d'arrêt provisoire, révèle politico.cd. Transféré au parquet de grande instance de la Gombe le lundi 11 septembre après 3 nuits de détention au commissariat provincial de la police de Kinshasa, note politico.cd. Stanny Boujakera, journaliste, directeur de publication adjoint de actualité.cd, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire. Interpellé depuis vendredi dernier à l'aéroport international d'Unchili, le correspondant de Jeune Afrique s'apprêtait à prendre son vol pour Lubumbashi. Il a été auditionné à 3 reprises sur le meurtre de Chérubin Okende. Les faits reprochés aux journalistes sont entre autres la propagation des faux bruits et la diffusion des fausses informations. Et voilà, c'en est fini pour cette édition réalisée par Patrick Papuila, Jonathan Mobalama, Rebecca Kikoumale, Nanou Umbapouati et Jacques Kabobassé. Lubia était également nos héros dans l'ombre. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très prochainement.